Et là tout le monde, vous allez bien? On se retrouve pour une vidéo, la dernière de la journée, je pense. Parce que j'ai reçu un partenariat en diamant painting de la boutique Happy Dye. D-I-Y. Happy Dye. Qui m'ont envoyé donc une toile que j'avais pu choisir. Donc merci à eux de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé la toile. Donc j'ai juste ouvert là. Parce que le scotch là, je n'arrive jamais à enlever. Et on va découvrir. Ah, déjà, c'est des papiers transparents. Là. Ça, c'est pas mal. Waouh, elle est canon. Franchement, elle est trop belle. Alors, c'est une 40 francs. Version paysage. Et j'ai pris ces deux petits toutous dans une tasse. Voilà. Trop mignon. Ah, franchement, ça m'a un peu à recevoir parce que ça fait longtemps, petit moment déjà que j'avais choisi. En tout cas, elle est nickel. Je vais en bouffer du 310 et du bleu marine. Mais elle est trop belle. Alors, on va voir là. Ça coûte bien. Ah, oui, ça colle bien. Ça colle nickel. Je vais juste la tourner dans la pluie pour éviter les rivières. On manquait qu'avec ça, ça fait pas. Voilà. Elle est trop canon. Ça tombe pile au bon moment. Pour ceux qui sont au courant, je leur dis pas sur cette vidéo. Mais petit toutou, ça fait du bien. Alors, on va découvrir le toolkit de base. Par contre, le pain de colle, un petit peu radin. Heureusement que j'en ai. Donc, c'est le kit que j'adore. La barquette verte et le stylet. Donc, soit rose et blanc. Je me dégale, mais la barquette verte. Et les diamants. Alors, sur la toile, pardon, pas dit, il y a le numéro, le symbole et le numéro sur le sachet. Donc, il y en a un en bas et un autre en haut. Ça, c'est nickel. Après, il n'y a pas la DMC, mais moi, ça, je m'en occupe jamais. Pas faire trop de bruit. Ah, il y a des diamants. On va vérifier, il n'y en a pas un qui est percé. Alors, ça, c'est. Oui, c'est ce qui me semblait. Il y a deux. Ah, il y a plus que ça, attendez. Donc, c'est une ribambelle. Oui. 310. Il y a trois sachets noirs. Et ils sont pleins. Alors, le noir, ça va être. Ah oui, effectivement. Quasi. À part la tasse. Tout autour, c'est que du noir, le fond. Donc, c'est diamant rond, par contre. Vous savez que je préfère les diamants ronds. Ils m'ont l'air bien taillés. Il n'y a pas de déchets. Non, ils ont l'air bien. On verra la pose. Alors, je vous montre les sachets. J'ai vérifié. On avait percé. Enfin, vérifié qu'il n'y a pas un percé. Non, ça n'a pas l'air.
Alors, le premier, je vais vous montrer dans ce sens-là. Donc, dessus, il y a marqué B104. C'est le numéro de la toile, en fait. Et c'est des chiffres de 1. Il y a 20 couleurs. De 1 à 20, je suppose. Ouais. Alors, on a du violet. Celui-là, il va. Le 1. Mon B. Ouais, ça va un peu dans la tasse. Ouais, ça. Donc, on a du violet, un gris clair, un rose, un marron, couleur caramel, on va dire. Le fameux 310, noir, un gris. Un deux gris, un peu foncé. Tu vois, c'est plutôt un gris vert olive. On a un jaune comme ça. Ouais. Plutôt jaune marron et là jaune. Donc ça, c'est pour le chien. Le deuxième. Un marron comme ça. Un peu foncé. Un autre marron. Et là, c'est un gris vert. Bon, il n'y a pas beaucoup parce que c'est du R. Ouais, j'ai entre le chien par-ci par-là. Bon, par contre, pour le deuxième chien, ce qu'on appelle des confettis, c'est-à-dire que il peut avoir du bleu, du vert, du marron, tout dans le même carré. Ça, c'est pas facile. Ensuite, on a un marron comme ça. Un rose crème. Marron comme ça. Ou là, du rose. Un rose pâle comme ça. C'est un peu rose marron. Pas trop quelle couleur c'est. Ah oui, c'est le chien de gauche. Je vais montrer la toile. Bon, il y a certains sachets. C'est pas gênant. Il y a des petites couleurs qui ne devraient pas être là. C'est pas grave. On a un marron comme ça. Et un comme ça. Donc on a bien 20 couleurs. Et 16 ronds. Franchement, merci beaucoup pour ce partenariat. Franchement, c'est une tuerie. Attendez. Ça colle très bien. Et puis en plus, je vous dis, la toile, elle est trop canon. On voit les symboles nickel. Sont bien imprimés. Bon, là, c'est. Faut des bons yeux. Parce que le I, là, c'est juste des traits. Oui. Mais dans l'ensemble, c'est nickel quand même. La toile, elle est parfaite. Bon, merci à Happy Die pour ce partenariat. Parce que là, franchement, ça va m'éclater. Et allez faire un tour sur leur site, je vous mettrai. Ah, ils m'ont pas envoyé leur lien d'ailleurs. Je vous mettrai dans le titre le nom de leur boutique. Et je vais leur envoyer un mail de toute façon pour leur dire que j'ai reçu. Et ils leur enverraient la copie de la vidéo. Donc voilà, merci Happy Die pour cette toile magnifique. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.